beli babika bakanga mi bakangwama Yeah.
Est-ce qu'on peut accueillir le Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut accueillir les rois des gloires? On peut accueillir les seigneurs des seigneurs. On peut accueillir les dieux créateurs, les créateurs incréés, le maître de l'univers, celui qui a tout fait. Merci Seigneur. On peut lire ensemble cette portion des Écritures avant de nous plonger dans sa sainte présence. Tu peux lire les psaumes 91 avec moi. Par moments, tu peux lire, mais tu as des idées ailleurs. Mais j'aime que tu puisses lire maintenant en fixant tes pensées sur les choses que tu lis. Jésus-Christ disait à ses disciples, « Mes paroles sont esprit et vie. » Laisse qu'une vie te soit communiquée ce soir parce que tu lis sa parole. Est-ce qu'on peut lire ensemble à haute voix? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plis et tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la peste qui frappe, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sous leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sous les lions et sous la spique. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. On peut acclamer les dieux tout-puissants. J'aime que quand tu acclames le Seigneur comme ça, tu es en train de te plonger devant sa face. Tu es en train de te plonger dans son regard. Tu es en train de te plonger devant la présence du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer déjà à lui dire quelque chose? Lâche, que ta bouche lâche des mots. Que ta bouche lâche des phrases. Que ta bouche dise à Dieu des choses qui le concernent, des choses qui l'élèvent. Des choses qui le font monter au-dessus de toutes choses. Des choses qui le font gravir encore, encore, encore. Et encore des sommets. Des choses dans lesquelles il est assis. Est-ce que tu peux commencer à lui dire? Écoute, tu es venu dans une soirée de prière. Tu es venu dans une soirée pour répandre ton corps devant la face du Dieu Tout-Puissant. Tu n'es pas venu contempler quelqu'un. Tu n'es pas venu à la rencontre d'un homme. Tu es venu à la rencontre de ton Dieu. Est-ce que tu le crois? Tu es venu à la rencontre de celui qui t'a créé. Est-ce que tu le crois? Tu es venu à la rencontre de celui qui t'a fait. Est-ce que tu le crois? Avant que tu ne puisses venir au monde, il n'y avait rien. Mais il s'est décidé de pouvoir te prendre dans le spirituel, afin de te matérialiser, et tu deviens une vie. Et maintenant, plonge-toi maintenant dans sa présence, et dis-lui des choses. Dis-lui des choses. Dis-lui des choses. Ah, j'aime que tu dises des choses à Dieu sans t'arrêter ce soir. Tu vas faire une prière non-stop.
Que ton voisin ne t'arrête pas. Que ta voisine ne t'arrête pas. Que ton frère ne t'arrête pas. Parce que ce soir, véritablement, tu es entré dans le lieu céleste. Tu es entré dans la plénitude du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Nous sommes venus à toi, Seigneur. Nous venons à toi ce soir. Vaut mieux demeurer dans ta présence. La Bible dit, vaut mieux un jour. Et moi je dis, vaut mieux une heure. Vaut mieux 2 heures dans ta présence que 1000 autres heures passées ailleurs. Dans ta présence, tu nous ressources. Dans ta présence, tu nous renouvelles. Dans ta présence, tu nous élèves. Dans ta présence, tu nous fais voir le vrai nous-mêmes. Le vrai nous-mêmes. Dans ta présence, tu nous fais du bien. Oh Dieu, s'il te plaît, pendant ce temps où je vais passer du temps dans ta présence, je ne vais pas penser à autre chose. Je ne vais pas penser à autre chose. Oh, je veux me mirer. Je veux me mirer devant ta face. Sois mon miroir, Seigneur. Sois mon miroir ce soir. Afin que je me voie tel que je suis. Et que je change de gloire. Alléluia. Alléluia. Assis à tes pieds, c'est là que je veux être. C'est dans tes bras que je me sens chez moi. Touché par ta grâce, fixé par ton regard, je ne peux résister à ta tendresse. Je t'aime de tout mon cœur, Abba Père. Je suis amoureux de toi, roi. Mon cœur ne bat pour toi, précieux Jésus. Je suis amoureux de toi, roi. Assis à tes pieds, assis à tes pieds. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est là que je veux être. Tu es dans ta présence, dans la présence de ton Père. Dans tes bras, je me sens chez moi. Tu es dans la présence de ton Père. Touché par ta grâce, touché par ta tu es dans la présence de ton Père. Fixé par ton regard, Hosanna Bozalissi, Atatanaïo. Je ne peux résister. Celui qui a fait que tu sois. Alléluia. Celui qui a fait que tu sois. Je t'aime de tout mon cœur. Abba. Dis-le-lui. Dis-le-lui ce soir. Mon cœur. Dis-lui, je suis venu dans ta présence ce soir. Mon cœur ne bat pour toi. Précieux Jésus. Précieux Jésus. Oh, merci Seigneur. Je suis amoureux de toi, roi. Oh, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Mon cœur ne bat pour toi. Mon cœur ne bat pour toi. Précieux Jésus.
cœur. Abba Père, je suis amoureux de toi, moi. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Abba Père, je suis amoureux de toi, moi. Oui, dis-le lui. Dis-lui que tu ne peux pas mieux te sentir que dans sa présence. Dis-lui que c'est sa présence qui te fait du bien. C'est sa présence qui te fait vivre. C'est sa présence qui te fait rester. Dis-lui, papa, papa, s'il te plaît, couvre-moi. Couvre-moi de ta présence. Ah, je vais demeurer à ton abri, papa. Je vais demeurer à ton abri, papa. Je vais reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, j'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Ah, que quelqu'un sente la vie revenir en lui à cause de ce qu'il s'est dit ce soir. Je vais aller dans la présence de mon roi. Oh, je prie afin que quelqu'un ce soir puisse sentir la vie revenir en lui. Tous ceux qui étaient venus fatigués, ils peuvent retrouver de la force dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu peux retrouver la force de Dieu t'envahir. La force peut t'envahir maintenant. La force du Tout-Puissant peut t'envahir maintenant. Parce que tout est dit. Je veux aller dans la présence de Dieu. Je veux aller dans la présence de Dieu. Et ce soir, il est là. Il est là. Il est là. Et il veut entendre ta voix. Et il veut entendre ta voix. Il veut écouter que tu puisses lui dire, Seigneur, je suis en train de te chercher de toute mon âme. Et il viendra se manifester à toi. Il viendra réaliser sa divinité en toi. Oh, quand il vient parmi son peuple, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Et ce soir, c'est le cas. C'est le cas. Il faudrait que des choses se passent en toi ce soir. À cause de ce que tu es venu dans sa présence. Il faudrait que ta vie puisse sentir un changement, puisse percevoir un changement, puisse connaître un changement ce soir, à cause de ce que tu t'es dit. Je vais aller, je vais aller, je vais aller dans la présence de Dieu. Oh, merci Seigneur, merci Dieu de gloire. Oui, nous avions tous eu en pensée cette soirée. Dans nos occupations professionnelles, nous pensons qu'à cette soirée. Partout où nous étions, nous passons qu'à cette soirée. Et c'est ici le moment. C'est ici le moment d'être visité par le Dieu Tout-Puissant. Alors dis-le-lui. Dis-lui, tu es mon Père. Dis-lui, Abba Père. Dis-lui, papa, viens au secours de mes insuffisances. Papa, viens au secours de mes insuffisances. Papa, viens au secours de tout ce que je manque. Papa, viens me combler. Papa, viens me combler. Papa, viens me tenir. Papa, viens me soutenir. Parce que ton papa est là ce soir. Alléluia. Ton Dieu est là ce soir. Alléluia. Ton Dieu est là ce soir. Alléluia. Ah, il y a quelqu'un ce soir qui sera réellement visité. Il y a quelqu'un ce soir qui sera réellement visité. Ah, je suis en train de parler de toi. Oui, de toi. Pas du frère qui est à ta gauche, pas de la soeur qui est à ta droite, mais de toi, parce que ce jour, c'est ton 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 jour, ce n'est pas demain ton jour, ce n'est pas dimanche ton jour, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors, prends-toi avec tes problèmes et jette-toi dans sa présence ce soir.
Prends-toi avec les situations qui te malmènent, qui t'embrouillent. Jette-toi dans sa présence ce soir. Parce qu'ici, il y a un Dieu tout-puissant. 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 Mon cœur ne bat pour toi, précieux Jésus. Je suis amoureux de toi, roi. Je t'aime de tout mon cœur. Abba. Mon cœur ne bat pour toi, précieux Jésus. Je suis amoureux de toi. Merci Dieu de gloire. Merci Jéhovah. Oui, je suis amoureux de toi. Oui, je suis un fou de Jésus. Oui, sans Jésus, je ne sais pas vivre. Sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, je ne me sens rien. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, ma vie est nulle. Sans toi, ma vie est zéro. C'est toi qui viens donner une signification à ma vie. C'est toi qui viens donner un sens à ma vie. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Viens, Seigneur, me relever. Sans toi, je ne peux même pas me mettre debout. Viens, Dieu de gloire. Mais servi de béquille, mais servi de béquille, je ne puis marquer que lorsque je m'appuie sur toi, Seigneur. Oh, sans toi, sans toi, sans toi. Je ne suis rien sans toi, Yahweh. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi, Yahweh. Je ne peux rien. Je ne suis rien sans toi, Yahweh. Je ne veux rien sans toi. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne veux rien. Je ne veux rien. Oh, je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi, Yahweh. Je ne veux rien. Je ne veux rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Sans toi, Yahweh. Je ne veux rien, je ne veux rien. Oh, je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne veux rien, je ne veux rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Sans toi, Yahweh. Je ne veux rien, je ne veux rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Sans toi. Je ne peux rien. Je ne peux même pas marcher, Seigneur. Je ne suis rien. Je ne peux même pas parler. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne peux même pas bouger. Je ne suis rien. Je ne suis rien. C'est toi qui me fortifie. Je ne peux rien. Je ne peux rien. C'est toi qui me fortifie. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Rab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 a. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. C'est toi qui me fortifie, Seigneur. Je ne peux rien. Je ne peux rien. C'est pour toi que j'ai la vie. Je ne suis rien. Je ne suis rien. C'est pour toi que j'ai la vie. Je ne peux rien. Je ne peux rien. C'est grâce à toi que je peux me tenir debout. Je c'est grâce à toi que je peux me parler. Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne sans toi, Yahweh. Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne suis rien. C'est toi qui me fortifie. C'est toi qui me fais marcher. C'est toi qui me fais bouger.
là où tu es, emmène-moi là où tu es. Oh Seigneur, emmène-moi. J'ai tant besoin de toi. Là où tu es. Nous avons tant besoin de toi. Emmène-moi. Nous n'avons pas de vie en dehors de toi. Là où tu es. Nous ne pouvons pas bouger en dehors de toi. Emmène-moi. Nous ne pouvons rien faire en dehors de toi. Là où tu es. C'est toi qui nous justifie. Emmène-moi. C'est toi qui nous purifie. C'est toi qui nous fortifie. Oh Jésus. Emmène-moi. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Emmène-moi. Pierre pouvait dire. À qui irions-nous, Seigneur? Emmène-moi. À qui irions-nous, Dieu de gloire? Là où tu es. C'est vers toi que nous avons la vie. Emmène-moi. C'est vers toi que nous avons la vie. Là où tu es. C'est vers toi que nous pouvons voir clair. Emmène-moi. Tu donnes la clarté dans la vision, Seigneur. Là où tu es. Oh. Rabashente. Rabazike. Rabababababababa. Nous te cherchons, Seigneur. Manifeste-toi, Dieu de gloire. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Nous voulons te voir. Nous voulons te toucher. Nous voulons te palper, Seigneur. Nous voulons te saisir, Dieu de gloire. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît. Manifeste-toi, Seigneur. Fais-toi voir à nous, Dieu de gloire. Fais-toi voir à moi, Seigneur. Fais-toi voir à ma soeur, Dieu de gloire. Fais-toi voir à mon frère, Seigneur. Alléluia. Oh, nous voulons te voir, Seigneur. Nous avons besoin de toi. 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 Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons pas notre Dieu en dehors de toi. Toi qui es le soutien de nos vies. Toi qui es le soutien de nos vies. Tu es celui que nous cherchons, Seigneur. Tu es celui que nous cherchons de gloire. Oh, nous voulons te voir ce soir. Dans ta puissance. Nous voulons te voir ce soir. Dans ta grandeur. Nous voulons te voir ce soir. Dans ton omniprésence, Seigneur. Manifeste-toi. Rabashente, manifeste-toi. Rabayaka Maza, manifeste-toi. Yonorobo Koza, manifeste-toi. Rakabababababa, manifeste-toi. Shentereke bébé, oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons te voir, 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 nous voulons te voir. Manifeste-toi, Seigneur. Que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence. Cet air que je respire,
cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. C'est pas jour après jour ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi de toi, ah. Et moi je suis perdu sans toi, ah. C'est air que je respire, c'est air que je respire. Alléluia. C'est air que je respire. C'est ta présence. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole, c'est ta parole donnée. Sans toi, ah, aide-moi, aide-moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Ah, aide-moi, aide-moi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi, Seigneur. Je suis perdu sans toi. Tu es ma boussole, Seigneur. Tu es celui qui montre le chemin. Aide-moi. Tu es celui qui montre mes voies. Tu me montres les voies. Parce que tu les connais. Parce que tu les connais. Oh. Aide-moi. Oh. Seigneur, oh Dieu de gloire, oh Père, je suis perdu sans toi, Seigneur. C'est toi qui me montres le chemin. Alléluia. Je suis perdu sans toi. Oh. Sans toi. J'ai tant besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je suis perdu sans toi. Sans toi, ma vie est vide. Sans toi, je suis mort. J'ai besoin de toi. Sans toi, ma vie n'a plus de sens. Oh, c'est toi qui m'as justifié. Parce que sans toi,
je ne suis rien. Sans toi, Yahweh, je ne peux rien. Yahweh, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, Yahweh, je ne peux rien. C'est toi, Yahweh, sans toi, ma vie t'appartient. Je ne suis rien. Ma vie t'appartient. Sans toi, Yahweh, ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient, Seigneur. Je ne suis rien. Ma vie t'appartient, Dieu de gloire. Sans toi, Yahweh, je ne peux rien. Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie t'appartient, Seigneur. Yahweh, je ne peux rien. Yahweh, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, Yahweh, je ne peux rien. Yahweh, sans toi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Sans toi, Yahweh. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Toi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Sans toi, Yahweh. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Toi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Sans toi, Yahweh. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Toi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Sans toi, Yahweh. Je ne peux rien. Je ne peux rien, toi, je ne suis rien, je ne suis rien, toi, Yahweh, je ne peux rien, je ne peux rien, toi, je ne suis rien, je ne suis rien, sans toi, Yahweh, je ne peux rien, je ne peux rien, toi, je ne suis rien, je ne suis rien, sans toi, Yahweh, je ne peux rien, je ne peux rien, toi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Sans toi, Yahweh. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Toi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Sans toi, Yahweh. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Toi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Alléluia. Yahweh. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Ah, dis-le encore, je ne peux rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Ah, je ne suis rien. Je ne me suis pas assez. Je ne peux rien. Déclare encore, déclare encore, déclare-le. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne suis rien, je ne peux rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne remercie pas ma rebauche. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Sans toi, Yahweh. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire? On acclame le roi qu'on étend tous debout. Chambarabos. Kebrada Sikorobo Chand. Yabrada Sikorobo Chand. Alléluia. Bien-aimés, je veux que nous puissions prier. Avant d'écouter la parole, je veux qu'on prie. Tout à l'heure, je vis un passage de la Bible qui est monté dans mon cœur. Et le Seigneur me disait, c'est là, priez sur ça, priez sur ça. La Bible dit, tu lui as donné ce que désirait son cœur. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu cela. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. La Bible dit, tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu ne lui as pas refusé ce qui sortait de ses lèvres. Ce soir, Dieu me dit de te dire, il va te refuser. Non, tu ne m'as pas entendu. Dieu me dit de te dire, il ne va rien te refuser. Et c'est comme si Dieu donne à quelqu'un ce soir un chèque en blanc. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais que nous puissions prendre ce temps au sérieux. La Bible dit, tu lui as donné ce que son cœur désirait. Et tu ne lui as pas refusé ce qui sortait de ses lèvres. Et ce soir, Dieu veut t'écouter. Je suis en train de te donner 30 secondes
pour réfléchir ce que tu veux. Je parle pas de la chose qui est contre la volonté de Dieu, mais je parle des choses qui sont dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? La Bible dit, demande-moi ce que tu veux. Je te donnerai des nations en péril. Dieu dit, te donnerai même des nations, même des nations. Alors qu'est-ce que tu veux ce soir? Quel est le problème qui ronge ta vie? Bien-aimé, j'aimerais que tu pries de tout ton cœur. Parce que ce soir, quelqu'un va rentrer avec un témoignage. Ce soir, quelqu'un va rentrer avec un témoignage. Et Dieu te donne à chaque emploi. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Et koye bana. Nandengozo sembe la sogeza désir na yo. La position que tu vas prendre démontrera réellement si c'est ton désir. Eka, eka, eka. Ikota maya kabos. Ah, mets-toi à prier. Mets-toi à prier. Mets-toi à prier. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Tu n'as pas refusé ce que demandait c'est l'œuvre. Ce soir, Dieu ne va pas te refuser. Ce soir, Dieu ne va pas te refuser. Chandarabo se kanta manake. Ki kanta leka le bossa. Yendarabo poposha. Ah, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. J'entends quelqu'un crier à Dieu. Chandarabos. Yandarabo shakarabase. Yendarabo shata. Ah, quelqu'un cherche Dieu, quelqu'un cherche Dieu. Moteme tininga. Nalukanzambe la bomboy. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Tu ne lui as pas refusé. Oh mon nom connaît cela qui tomba. Au premier lieu, posez à moté banaye. Bongonga yo pumelanga ponanini. Bongonga yo pesanga te ponanini. Kolo na soluka yo. Kolo po kwa lele sayangai. Po kwa lele sayangai. Po kwa lele sayangai. Shakarabo si kanta manake. Hoya baba baba shata. Rikanto lobo sapra marepos. Ya baba 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 baba. E kanta le kaboreshe. Shodore baba 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 baba. Shodore baba 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 shaka. Ah. Okoki go sembe lo sobe tele maboko. E sa desiste na yo lelo. Tu as le chèque en blanc, tu as le chèque en blanc. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce que tu attends de lui? Chèque en tarabos. Eh, arabo, chaka. Icarabos, icantarabopo. Chodore, babababababos. Chodore, babababababos, chaka. Rekabababababababos, chanda. Yenderebos, sike. Yerebobos, chaka, rabase. Yondorobo shatarababos Kandarabos Yerabasant Ramamama Sheke.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, écoute la deuxième des choses. Nous allons prier cela. Écoute la deuxième des choses. La Bible dit, il te demandait la vie. Tu lui as donné une vie longue pour toujours et à perpétuité. Je le répète encore. Il te demandait la vie et tu lui as donné une vie longue pour toujours et à perpétuité. Il a demandé la vie et Dieu lui a donné. Or la Bible dit, en nous nous avons la vie. Tu n'as même pas besoin de chasser l'esprit de mort. Parce que la vie de Jésus en toi chasse l'esprit de mort. La vie que la Bible parle ici, c'est le Zoé, la vie de Dieu. La vie qui ne tombe pas malade. La vie qu'on n'en foute pas. La vie de Dieu. Tu vas déclarer. Tu vas proclamer la vie en toi. Parce que la Bible dit, il a demandé et Dieu lui a donné. Ça dit, la demande a été déjà faite et la réponse a déjà aussi été donnée. Voilà pourquoi tu dois déclarer, parce que ce sont des choses qui te sont déjà données. Déclare la vie en toi, la vie de Jésus en toi. Déclare la vie sur tes enfants, déclare la vie sur ton travail, ton sommet, ton baboko, ton sommet là, pendant que tu là. Tato là, ils ont demandé la vie. Et tu lui as donné une longue vie. Tato la bombe ya molai, ya molai. Tato la bombe ya molai, ya molai, ya molai. Raba ba 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 shek. Rekanta la boshata. Tato la yango, tato la yango. Shota rikanta manake. Ye brada si. Proclame longue vie dans ton ministère. Proclame une longue vie dans ton église. Proclame une longue vie dans ton travail. Proclame une longue vie dans tes activités. Proclame une longue vie, une longue vie, une longue vie, une longue vie, une longue vie. Yandarabo Sheke. Dans tes affaires, une longue vie. Dans ton ministère, une longue vie. Shakarabos Andarabos Irebos Rekantalabos Iprodazi. Une longue vie à la chorale, une longue vie à l'intercession, une longue vie au protocole, une longue vie à la décoration, une longue vie à l'administration, une longue vie, une longue vie, une longue vie dans tous les départements de l'église, une longue vie dans la pastorale, une longue vie chez les Romains, une longue vie, une longue vie dans mon foyer, une longue vie dans mon ministère, une longue vie, je le proclame et je le déclare, une longue vie, une longue vie, une longue vie dans mon ministère, une longue vie dans la vie de mes enfants, une longue vie dans la vie de ma femme, une longue vie, une longue vie, une longue vie, une longue vie, une longue vie dans la vie de mon père, Ken Luamba, une longue vie, une longue vie,
une longue vie dans la vie de mon père Dalo, une longue vie. Chalabobobosh. Proclame-le, proclame-le. Yandarabosh. Il te faut la longue vie pour voir les promesses de Dieu. Il te faut la longue vie pour vivre les promesses de Dieu. Il te faut la longue vie. Tu ne peux pas mourir en laissant une partie des promesses de Dieu non accomplies dans ta vie. Tu vivras pleinement les promesses de Dieu. Sharabos, Kenaramandos, Shotarabasek. Chandarabos, Chandarabos, Rababos. Alléluia. 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 Bien-aimé, je proclame sur toi une longue vie. Non, je dis, je proclame sur toi une longue vie. Une longue vie dans tes affaires. Une longue vie dans ta vie. Une longue vie dans ton travail. Une longue vie dans ton ministère. Une longue vie dans la vie de tes enfants. Une longue vie dans la vie de ton mari. Une longue vie dans la vie de ta femme. Une longue dans la vie de tes frères. Une longue vie dans la vie de tes soeurs. Il te faut une longue vie pour vivre la promesse de Dieu dans sa totalité. Je dis, tu ne mourras pas. Je dis, tu ne mourras pas. Tu dois vivre les promesses de Dieu dans sa totalité. Ce que Dieu t'a promis, tu le vivras. Je dis ici, il n'y aura pas de génération d'Élysée qui meurt et la promesse s'accomplisse dans sa tombe. Non, toi tu vivras. Je dis toi tu vivras. Tu vivras toutes les promesses de Dieu. Et tu diras comme Siméon, laisse maintenant ton serviteur aller dans la paix. Quand je vis, je dis quelqu'un va voir. Non, je proclame et je déclare, quelqu'un va voir. Je ne suis pas en train de vous amuser, je dis quelqu'un va voir. Je parle sous l'onction de Dieu, quelqu'un va voir. Je dis bien, quelqu'un va voir. Et tu sauras qu'un serviteur de Dieu avait parlé. Je proclame et je déclare, ce mois de mars est un mois de rendez-vous. Ah, le Seigneur a un rendez-vous avec quelqu'un. Le Seigneur va te rencontrer. Je proclame, je dis, le Seigneur va te rencontrer. De la même manière que la Bible a dit dans Jean 4, 4, comme il fallait qu'il passât à Samarie, la femme ne savait pas, mais lui savait qu'il devait passer à Samarie. Alors je proclame, je déclare, tu as un rendez-vous avec Dieu. Non, même si tu ne le sais pas, je dis, tu as un rendez-vous avec Dieu. Je dis, tu as un rendez-vous avec Dieu. Dieu va te rencontrer. Je jure par de l'Éternel. Dieu va te rencontrer. Il va te rencontrer dans ton travail. Il va te rencontrer dans les ministères. Il va te rencontrer dans la rue. Il va te rencontrer dans tes affaires. Dieu va te rencontrer. Car il est Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Bilaka yo pesanga na bomba na motema ata eumeli nango suka suka e kokokisama. Je ne perdrai pas patience. Kokobuki selikete ezana molendeo pona yebinzambe ya lola to yebinzambe lola ozamotote boyoko sanga. Mwana motote foyo wangana. Oh, bilaka, bilaka bilaka yopesanga na bomba na motema ata eumeli nango suka suka koko kisama. Je ne perds pas patience. Motema ezana molene bona yebinzambe ya lola. Yesu ozamotote boyokosanga. Mwana motote boyo wangana. Chante-le pour la dernière fois. Bilaka, bilaka bilaka yo
Opesanga Nabomba na motema Nabotema Ata erume linango Suka suka e koko kisama Je ne perds pas patience Motema eza Tana molene Bona yebin zambe alola Zambe alola e Osa moto te Poyo kosanga Mwana moto te Mwana moto te Poyo wangana Osa moto te Osa moto te Poyo kosanga Mwana moto te Mwana moto te Poyo wangana Osa moto te Osa moto te Osa moto te Poyo kosanga Mwana na moto te Mwana moto te Poyo wangana Osa moto te, osa moto te, poyo kosanga. Wamala na mo, mwana moto te, yamala kenya madua yo wangana. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Jésus, Jésus, Emmanuel. Alléluia, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Na ko changer mon rythme kana nyoso oza nyoso motu yananga oza nyoso motu yananga ene mona tokani sana yo nikolo bawana se bona katya mote mananga je connais qu'un seul amour ma se changer mon dernier babaka bomi pesa mobimba Mokonzo ya koka na nyoso Oza nyoso mozu ya Nanyango na koka alisa na yo Voilà, Nalikolo kawanase Asante Kona katya mote mananga Je kone kaseramu Zambo ya ndima komi kaba Komi pesa mobimba Mokonzo ya koka na nyoso Nanyango, nanyango, nanyango Nanyango na koka alisa na yo Nalikolo pa wanase Kona katya mote mananga Je kone kan seul amour Zambo ya ndima komi kaba Komi pesa mobimba Mokonzo ya koka na nyoso Nanyango, nanyango Kota nyoso motu Nanyango na koka alisa na yo Wapi mabako na yo, wapi mabako na yo Kona katya mote mananga Jésus Komi pesa mobimba, mokonzo ya koka na nyoso Oza nyoso motu ya Nanyango na koka anisa na yo Nalikolo pa wanase, mona katya mote mananga Je kone kese labu, zambo ya ndima komi kaba Komi pesa mobimba, mokonzo ya koka na nyoso Oza nyoso motu Nanyango na koka anisa na yo Nalikolo pa wanase Kona katya mote mananga Je kone kese labu Zambo ya ndima komi kaba Komi pesa mobimba Mokonzo ya koka na nyoso Oza nyoso motu Nanyango na koka anisa na yo Nalikolo pa wanase Kona katya mote mananga Je ne connais qu'un seul amour, Zambo ya ndima komi kaba.
mi pesa mo viva mokondo ya koka na nyoso ota nyoso motu na nyango na koka alisa na yo na likolo pa wanase kona kata bote malanga je connais qu'un seul amour zambo ya ndima ko vitaba komi pesa mo viva mokondo ya koka na nyoso ota nyoso motu je connais qu'un seul amour, Zambo Yandima comme Mikaba, comme Ipesa Mobimba, comme Kananyoso, Osanyoso, je connais
c'est l'amour. Jésus. Omi pesa mofimba. Okonto ya boka na nyoso. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? À la grandeur de notre Dieu. À la grandeur de roi de roi. Le Seigneur de Seigneur. Le Dieu tout puissant. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Quelqu'un peut sauter dans la présence de Dieu. Alléluia. Chadarabas. Arabasheke. Osanyosa motu yananga. Alléluia. Jésus. Jésus. Je voulais donner des communiqués, mais je sens qu'on doit laisser l'orateur avec cette atmosphère. Aidez-moi à accueillir le pasteur Francine Docat. Quand il va venir, on va acclamer le roi de gloire. Je reviendrai dimanche pour la présentation, mais je lui laisse comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire, le Seigneur de gloire? Emma, Emmanuel, Emma, Emma, Emmanuel, Emma, 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 Emma. Kanisa na yo na likolo pa wana se pona katia hote mananga je ne connais qu'un seul amour zambo yandima komikaba omi pesa mobimba mokonzo ya koka na nyoso oza nyoso motu yananga. Ozanyo somo tu 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 yananga. Rada la basso brodolo scete le brede le besite le manda la brade le sotto e che te le manda la brade sopra di lì a brade le scete la manda la brade le brosso brodolo sciata la male brede le besite catinde le bresi manda li abate che le manda li a dodolo sce pindi li brodoli si brede li mandi li brodolo da sa brade li a casse brede le a Panda da dia colo broche brede le brosso, li prelia catele mendele brede le zile brede lia, li malia coto solo brodo li catale de besie. Emma, Emma, Emmanuel. Yes, God. Emma, Emma, Emmanuel, Emma, Emma. J'aimerais juste rappeler à quelqu'un que Dieu est présent en ce lieu. Je suis juste en train de rappeler à quelqu'un que l'éternel Dieu est présent en ce lieu. Non, je suis en train de rappeler à quelqu'un ce soir que l'éternel Dieu est déjà là.
Ce soir, il y a quelqu'un qui est présent en ce lieu dont l'Éternel est en train de guérir des reins. Il y a un motomo qu'on a dit que ça n'a pas rien. Yes. Shalaba de lebro sobro de loche telebrecite. Je ne te demanderai pas de t'avancer, mais là où tu te trouves, si tu es là, lève juste ta main, parce qu'il y a une onction de guérison. L'Éternel est en train de libérer tes reins. L'Éternel est en train de libérer tes reins. Ribada labra de sebre de leba shata la malebre ya cité. Jésus. J'étais en train de prier là-bas et je voyais quelqu'un il y a deux jours exactement, il y a 48 heures. Tu as fait une crise de sinusite. Yo, au kangama qui pendait pour la sinusite. Ça t'a vraiment dérangé. Mais ce soir, il y a une onction. Il y a une onction de guérison qui est descendue. Il y a une huile de guérison qui est descendue. Et pourquoi et qui dit pour la copie qui ça? Ce soir, toi aussi, lève ta main parce que l'Éternel déverse sa guérison. Shada labra de lebesete. La pluie de guérison descend, la pluie de guérison descend. Karabashada la barada la da 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 bashada la babasete lebre de lebesete. Shite kete lebre de lebesete. Comme il y a cette grâce de guérison, j'aimerais profiter pour prier pour tous ceux qui sont malades. À part cette personne qui a des problèmes de reins, à part cette personne qui a eu il y a deux jours ce problème de sinusite, à qui Dieu a accordé la guérison ce soir, j'aimerais prier pour tous ceux qui sont malades ce soir. La pluie de guérison descend, la pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. La pluie de guérison descend, la pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. J'ai délivré les bébés, c'est guérison descend, la pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. La pluie de guérison. La pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Tandis que le clavier baisse, tu peux juste lever tes mains. Karaba sabra de lebe chata laba de lebre cité. Shata la mande lebre de lebo sobro de loca da lebre dal sibre de lea site. Shanda la ba de lebre sobro de loba da 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 bra de lebe site. Sheke te lebre de le me sandali abarra baba shanda la de. Yondo lobro de lobo sata la ba de lebra shata la bra de lebe site. Shinde lebre de le santaria baba santaria baba ba sinde lebre de lebre site. Canta la ba de lebre soto lobro de lobo shala bra de le. Ike te le masabria maribria la ba shibre de lea site. La bra de le santa la bra de lebe site lebre de le lebe site. Scende le bressite, le bressite. Ma soeur en t-shirt noir, jupe rouge à ma gauche. Je ne sais pas, mais je sentais l'Éternel rendre ta main lourde. Et le Seigneur me disait, ce soir est un jour spécial pour toi.
Oui, vous qui venez de regarder derrière. Je ne sais pas trop bouger avec mon pied. Est-ce que vous pouvez venir rapidement devant, juste devant? J'aimerais prier avec vous. L'Éternel Dieu a décidé ce soir de te visiter. Rabba sabra de lebe site lebre de lebe shite. Yen de lebre de lebe sinte. L'homme de Dieu disait, c'est une soirée du rendez-vous divin. Galaba sabra de lebe site. Il ne le disait pas par lui-même. Il le disait parce que c'est ça. Malaba shete leke site. Je voyais une forte gloire descendre sur vous. Une forte gloire. Yes, God. Yes, God. Yeka lâchete lebre site. Yes, God. Yes, God. Tu le fais. Yela machanda la badele lebe site. C'est comme une chaleur qui envahit tout ton corps. C'est comme une chaleur qui envahit tout ton corps. C'est oh rida sibre de lesete. Chite le machanta la badele lele. Ikente lebre de lele lebe chete lebre de lele lebe site. Ikete lebre de lebe chanda da 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 da. Yele manta la bradele chete lebre de lebe sara baba riba ba chete. La kate lebre de lebe site. Indelebre de lebe sinte. Je te vois en famille. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de demander, mais c'est un culte familial. Vous êtes en train de demander quelque chose à Dieu. Et l'Éternel Dieu t'a apporté. Ce qu'a dit son serviteur ce soir, c'est réellement ce qu'il a fait. L'Éternel Dieu a apporté une réponse. Je vous vois, vous êtes... C'est une requête que toi seul, tu n'as pas demandé. Mais c'est une requête que vous avez donnée en famille. C'était dans un culte familial. Je te vois en train de demander cela. Je te vois en train, je vous vois en train de faire ce culte et de prier par rapport à cette requête. Le passage dont le serviteur de Dieu, dont le pasteur Freddy était en train de donner, était exactement, spécialement pour toi, spécialement pour toi, spécialement pour toi, spécialement pour toi. La brade l'échete. La pluie de guérison descend. La pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur. Yes, God. Je n'ai pas peur. Ce soir, il y a une gloire spéciale sur les chantres. Ce soir, il y a une gloire spéciale sur les chantres. Ce soir, il y a une gloire spéciale. L'Éternel Dieu est en train de me dire qu'il est en train de vous shifter à une autre dimension. Il est en train de vous shifter à une autre dimension. Rimande lebre sobrota la 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 chete. C'est vrai.
chez de lebre de lebre sata la ba de lebre de lebre chez de lobro sete chez canta la ba de lebre so proto lobo chanda la ba si te lebre de lebre chinde chez ta la manda la bra de lebre si te lebre de lebre si te Je sens encore une grâce particulière, une forte grâce particulière, une grâce éternelle. Dieu, ce soir, a des rendez-vous, des rendez-vous, des rendez-vous. Ma soeur qui est derrière, ma maman qui est derrière la soeur en jean bleu et polo noir. La maman qui est juste derrière, là, là. Oui, vous, maman, oui, vous. Oui, vous qui venez de regarder derrière. Oui, vous pouvez venir, maman, s'il vous plaît. Chandalaba de lebre sobro de loche, te lebre de lebe si, te lebre de lebe si te. Est-ce que tu peux désirer Dieu? Est-ce que tu peux désirer Dieu en ce moment? Maman, vous pouvez juste lever les mains. Je voyais sur votre front, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je voyais sur votre front l'Éternel écrit restauration. Esprit vient des quatre vents et souffle. L'Éternel est en train de remettre sur pied tout ce qui était à vous. Il est en train de remettre sur pied, en commençant par votre spirituel, en commençant par votre intimité avec Dieu. Il commence par là, il commence par là ce soir. Les machata la mande lebre de lebechete lebre de lebecite. Conto lobro de l'oshin de lebre de lebecite lebre de. Par la bra de lebachata la bande de lebecite. Keya baba baba bachete lebre de lebesandaria baba baba baba. Ikente lebre de. Père, merci de souffler sur elle ce vent de restauration. Merci de souffler sur elle ce vent de restauration. Je sens et j'entends dans mon esprit, on me dit le temps de rendre les choses officielles. Le temps de rendre les choses officielles. Le temps de rendre les choses officielles. Ma balèbre a chuté les brèles et les bécités. Que cette grâce te soit accordée. Maintenant. Maintenant. C'est vrai, Seigneur. Merci, Seigneur. Garde juste, gardez vos mains levées juste un moment. Tu souffles sur elle. Saint-Esprit de Dieu, tu remets en état ce qui a été détruit. Tu restaures ce qui était perdu. Nous sommes à la cité de l'espérance. Et ce soir, tout espoir perdu est retrouvé. Ce soir, tout espoir perdu est retrouvé. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Sans clavier, nous pouvons juste garder nos mains levées. Père, je te rends grâce de ta présence au milieu de nous. Je te rends grâce pour ce rendez-vous divin. Nous sommes là pour toi. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous communiques quelque chose. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Ce soir encore, je rends grâce à Dieu de ce privilège qui m'a été accordé d'être devant de vous. Mais je remercie et je ne cesserai de remercier l'ange de cette église. Pasteur Freddy Molenga qui est pour moi un ami, un frère. Comme il le disait hier, il s'ouvre à moi, mais il sait aussi que moi de mon côté, à chaque difficulté, à chaque obstacle, c'est lui que j'appelle. Je dis, mon cher Talaboué, permettez-moi le terme, Elianga. Donc c'est un ami et un frère et Dieu a fait que non seulement nos esprits puissent être connectés, nos femmes, nos esprits se connectent aussi. Et je dis gloire au Seigneur pour cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis à la cité de l'espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et que congé ton gagné. Alléluia. Amen. Quand il a commencé à congé, dit pasteur Frédéric aussi, ça m'a été un pamba. Alléluia. Amen. Rapidement, je vais faire la lecture. J'ai 25 minutes qui me restent. Rapidement. 1 Samuel chapitre 17, je veux lire rapidement de 22 à 36 et de 41 à 51. Et puis nous allons parler. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parla avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança envers les deux armées hors des rangs des Philistins. D'autres versions disent... le champion des Philistins, Goliath. Il tient les mêmes discours que précédemment et David les entendus. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Quand je suis en train de lire, il y a un message que j'ai eu en priant là-bas qui m'est revenu. Le Seigneur me parlait d'une maman qui est dans les affaires, qui est dans les vivres frais. Voilà. Ici à Mongafula. Tu es ici à l'église, mais tu es dans les vivres frais dans l'église. Et puis ça fait un bout de temps, ton commerce n'est quoi, Pinza, et quoi. L'éternel Dieu m'a demandé de te dire que Dieu est en train de restaurer ces affaires-là. Dieu est en train de remettre cela sur le marché. Et de nouveau, on parlera de ça, Mongafula. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Il y a une autre version, la version communauté chrétienne dit, je sais que tu cours derrière les occasions. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül lui dit, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais le brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera de ce Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et ça lui dit à David, va. Et que l'Éternel soit avec toi. Verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regardait, et lorsqu'il aperçut
David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête, aujourd'hui je te donnerai, je saute. » Au verset 50, ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua, il coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Amen. Depuis hier, nous sommes en train de parler et de parler aux vainqueurs. Nous parlons non seulement des vainqueurs, mais nous parlons aux vainqueurs. Est-ce que ce soir, je suis en train de parler à un gagnant? Non, je demandais si j'étais en train de parler à un gagnant. Je suis en train de poser la question si je suis en train de parler à un vainqueur. Ce soir, j'aimerais parler pendant quelques temps sur deux clés de la victoire de David. Nous connaissons tous l'histoire de David. Quelques chapitres avant, il a été oint, il a été choisi pour devenir roi en Israël. On a appelé les fils d'Isaïe. Et on a aussi, on s'est rendu compte que quand on a voulu oindre, Samuel a dit, c'est tout ce que tu as comme fils. Il dit, non, il y a encore quelqu'un, mais lui, il s'occupe des... Donc lui, ce n'est pas intéressant. Lui, je ne compte pas. Et Samuel va dire, si lui ne vient pas, la cérémonie ne va pas commencer. Je suis venu dire à quelqu'un, même si dans le calendrier des hommes, tu n'es pas considéré. Dans le calendrier de Dieu, c'est toi. Non, tu ne m'as pas entendu. Même si les hommes ne t'ont pas calculé, l'Éternel Dieu, lui, t'a calculé. Il a dit, c'est lui qui doit être roi. Quand il reçoit l'onction, moi je pensais que David allait directement devenir roi. Non. Azongizamba. Il s'est retourné à la forêt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu entends les promesses de Dieu, des fois tu as l'impression que demain déjà tu vas l'avoir. Mais il y a toujours un processus par lequel Dieu te fait passer pour que tu arrives à toucher à cette gloire. Il y a toujours un processus. Il y a toujours des rendez-vous que Dieu crée. Oh, ce soir, l'Éternel nous a dit que nous sommes venus au rendez-vous divin. Y a-t-il quelqu'un qui est venu au rendez-vous divin? Alors le temps passe, lui, il reste dans la forêt. Et puis un jour, il y a un Philistin qui se lève, il y a un géant qui se lève, qui commence à chercher le combat. Il change le système de jeu. Il dit au bout de la vie, son yon sauté, au poni, moutou mon corps, moi aussi j'ai choisi. Moutou na moutou, c'est ça ma représentant. Que chacun choisisse et se représente. Alléluia. Amen. Et bouleversé bango. Et bongo lisi bango makani. Moi j'ai toujours dit, c'est celui qui avait le plus peur. Pourquoi? Pasteur Freddy, parce qu'on dit que Saül dépassait tout le monde de la tête. Donc si Goliath était un géant, ceux qui sont conquérants, on va me chercher parce que c'est moi qui suis. Alors Saül avait peur. Saül y a un akobanga. Oh, personne ne pouvait se battre avec Goliath. Parce que le combat de Goliath, c'était le combat de David. Ce n'était pas le combat de quelqu'un d'autre. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ce combat-là, Dieu te fait entrer parce que tu as les capacités, le potentiel qu'il faut pour gagner cette bataille-là. On envoie Eliab. On envoie les frères de David, mais en lui, c'est toujours le champ. C'est toujours les brebis. Et quand on l'appelle, on lui dit, pars déposer la nourriture pour tes frères. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut passer par les petites choses.
l'emballage de Dieu, le cadeau que Dieu nous apporte n'a pas toujours l'emballage que nous voulons de lui. L'emballage peut être autre chose, on peut l'emballage. Oh, et l'autre, on mais on fout mon lango. C'était ça. Alléluia. Amen. Oui, mais ma enveloppe, je suis pas au moins, il y a des qui pèsent, mais quand tu les prends. Et ça, mais ça, je suis pas au kilo, mais au tali, bon, quand tu francs, tali, oh. Et ça, kilo, mais dollar, quoi. L'emballage de Dieu. L'emballage de Dieu ne correspond toujours pas à ce que nous nous attendons. David ne part pas pour gagner une bataille. David part simplement comme mon habitina. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te confier les grandes. David ne va pas murmurer. Il ne va pas dire oh, on a pas pu s'en aller sur la batterie. Oh, on a pas pu s'en aller. Oh, on a pas pu s'en aller. On est pas bundaka. T'es un problème. T'es. Ce n'est pas ça le problème. Le quoi là, mon pressing en ensemble. Comme on m'a donné, je fais. Oh, comme il était chanté, certainement il est en train de chanter. Il est en train de partir de déposer la nourriture. Il est en train de chanter. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, ton rendez-vous est en train d'arriver. Sois seulement fidèle à ton poste. Sois seulement fidèle dans les petites choses que tu es en train de faire à Dieu. Parce que l'éternel Dieu est en train de t'emmener petit à petit, pas à pas, vers cette gloire. David arrive. Il donne la nourriture. Et il part demander. Comment va ses frères? La Bible dit, quand il a demandé seulement, directement Goliath est sorti. Et David a entendu. Oh, je crois ce soir qu'il y a quelqu'un qui va être exactement au moment qu'il faut, pendant qu'il fallait, entendre les choses qu'il fallait pour qu'il entre dans sa destinée. Oh non, tu ne m'as pas entendu. Dieu est en train d'ouvrir une saison où il va amener tes pas exactement au moment qu'il faut, quand il fallait. Et quand tu seras là, tu devras entendre les choses qu'il fallait que tu entendes. Ayoki, il a entendu. Ayoki, ça l'a il a entendu, ça l'a bougé. Mais c'est qui cet incirconcis? Les enfants d'Israël voyaient un géant. Lui, il voyait quelqu'un sans alliance. Il dit, c'est vous, vous voyez un géant. Mais moi, je vois quelqu'un qui n'a rien. Mais côté. Si on doit contextualiser ça. Ça tombe mais mangol tombe quand on a masolo n'engue le canaki. Et ça le gros là, bakacha ba congolais. Ça quoi bitumba ba congolais. Olingo bundana ya. Tu veux te battre avec ya. Olingo bundana ya Eddy. C'est quoi Talio? Il te regarde. Mais t'aso bundana ya Eddy, mais asa pas. Tu veux te battre avec mais. David a tenu Goliath. David a regardé mais Goliath. Mais c'était un circoncis, les sans alliance. Ah, non, ça m'embête. Il n'y a pas de géant. Mais il n'y a pas de géant. Il y a des années. Je suis venu dire à quelqu'un, ma camboine est quoi? Ce problème va je suis venu dire à quelqu'un ce soir, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Voilà. Oh, parce qu'on dit j'aime le nom de Zorobabel. Là, parce que Zorobabel veut dire né dans la confusion. Mais étranger à la confusion. Donc même si je suis né dans la confusion, attention, je suis étranger à la confusion. Les conditions de ma naissance ne déterminent pas ce que je suis. Les conditions de ma naissance, les conditions dans lesquelles tu me trouves, ne déterminent en rien là où Dieu est en train de m'amener. Alors David demande. David a tourné. Parce que les gens sont sortis. Ils ont dit. Parce que quand Goliath est sorti, les gens ont eu peur. Goliath a mis ils ont reculé. Qu'est-ce qui se passe? Et puis on doit être solo. Goliath. Celui qui va vaincre. Il prendra. Comme un gendre roi. Il va plus payer l'impôt. Il va plus payer l'impôt. A tourné. Il a posé la question. Qu'est-ce que tu as dit là? Oh. Il y a solo. C'est vraiment ça? Son grand frère Eliab vient. Tu es seulement comme ça. J'aime David. Ayoki Abio. Est-ce que ça a un problème?
Où est le problème? Lui tourna le dos. Il a péché mon Congo. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir. Toute personne qui est là, qui veut compliquer ta destinée, tourne-lui le dos. Oh, na lobi pesa eka mon Congo. Je lui dis, tourne-lui seulement le dos. Qu'on soit na été, qu'on discute na été. Yo loko lo comprendre que saison na yo est comme. Comme tu as compris que c'est maintenant, alors compte à ma camomo. Comment ça les faire? Quand je voulais me marier, ma mère m'a dit non, on doit reporter, nous on n'a pas d'argent. On doit reporter le mariage jusqu'au mois d'août. J'ai dit à ma mère, le 7 mai là, c'est la date de Dieu. Si la date de Dieu, comment tu vas faire? Au lac Sabino. Ah, je vais vous faire habiller. Alors, non, j'ai donné les dos. N'a pas si mon Congo. Parce que j'ai déjà une direction. Je sens que c'est la saison. J'annonce à quelqu'un, c'est la saison. Non, je proclame à quelqu'un, c'est la saison. C'est la saison. Nous sommes dans... Oh, tu es vraiment dans la bonne saison. Tu es dans la saison, il faut que tu poses ces actes-là. Tu es dans la saison, il faut que tu poses. Arrête de réfléchir. Arrête de calculer. C'est la saison, tu dois poser les actes. Arrête d'écouter Eliab. C'est Dieu qui t'a placé cette conviction dans le cœur. Agis selon la conviction que Dieu a placée dans ton cœur. C'est exactement le moment de poser l'acte. Un homme a dit, le plus grand risque que vous prenez dans la vie, c'est de ne pas risquer. C'est ça le plus grand risque de la vie. C'est de ne pas risquer. Il faut risquer. La Bible dit que Saül entend ce que David disait. Pour Saül, David a commencé à se dire, Il a dit quoi? Je vais le taper. Je vais le faire tomber. Moi, le rôle de la vie, c'est que je vais le faire solution est de proposer à Bibo Kenenan, pour Saül. Pour ça, il y a déjà 40 jours. Parce que ça veut traîner. Non, bon de la vie, non, qui retrait de deuil et salema. Pour 40 jours, pas, c'est ça, retrait de deuil. Non, bon de la que matango et bandagi na vie, non, que les deuils. Et ça, la retrait de deuil. Toi, le long de la journée, retrait de deuil. Quitte aujourd'hui le deuil. Yo, longue, ne bimbi, matang et sili. Alléluia. Amen. Bah, comme c'est long au Saül. On a rapporté ça à Saül. C'est la Bible, ben, non, petit. Appelez-moi ce jeune homme. Yo, olunginin. Qu'est-ce que toi tu veux, toi? Je vais frapper ces messieurs là. Tu vois là? La version Lingala dit ceci. Tu n'es qu'un enfant. Mais lui. Ah, soda depuis Bomwana. Il y a Zam Bolombolo Uta. Moi, âge noir. Comment la naie? Bon, âge ya banango bunda. Il a commencé à se battre. Donc, yo soro bandi siko. Si tu commences maintenant. Et puis yo David là, yo osa centre. Oya koyembi milimu ekei. Oh, Zama kamwe bitu papa. Mais ça, c'est les bagarres des hommes. Le premier élément que David utilise pour ce combat, le secret. Il lui dit, toi, tu me vois en public, mais j'ai une vie dans le secret. Toi, tu me vois maintenant quand je suis en train de parler, quand je suis en train de proclamer. Mais moi, là, j'ai une vie dans le secret. J'ai une vie dans le secret. Il lui dit ceci, moi, dans le secret, quand un lion ou un ours vient pour arracher, vient pour manger un animal, moi, j'entre, je frappe cet ours, je frappe ce lion et j'arrache de la bouche ce lion. Donc, je suis venu dire à quelqu'un, tu ne sauras relever les défis que lorsque dans ton secret, tu as quelque chose. Tu ne feras rien dans le public que tu ne sais rien faire dans le secret. Oh, bien-aimé, apprenons à être forts dans le secret. Quand nous sommes forts dans le secret, nous le serons aussi dans le public. David dit, je connais un Dieu. Quelqu'un a dit, il n'y a pas de succès sans préparation. Apprends à te préparer dans le secret. Apprends à te préparer dans le secret.
obetaka makofi na secret ataba oseko yo obetaka makofi pourquoi ça bango parce que tu vas les faire tomber. Dans le secret, il était quelqu'un. Il dit, moi je connais. Et il dit ceci. L'éternel Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours, de la gueule du lion, va aussi me délivrer de la main de cet incirconcis, de cet homme sans alliance. Ce que David voulait dire, c'est quoi? David voulait dire Hébreux chapitre 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il m'a accordé la victoire hier, il va m'accorder aujourd'hui. S'il m'a accordé aujourd'hui, il va m'accorder demain. Oh, je crois ce soir que si Dieu t'a donné ce mariage, il va te donner ses enfants. Oh, si t'a donné ce travail, il va aussi t'accorder la promotion. Si t'a donné, je suis en train de croire ce soir, je suis en train de croire ce soir que mon Dieu est le même. Ami Goliath, tout à la balance. Goliath, tout à la flèche. Les animaux féroces, j'arrachais. Il commence par dire que c'est lui qui a arraché. Après, il dit ceci. Quand j'arrachais, là, j'étais pas seul. C'est l'éternel Dieu qui me délivrait. Je ne comprenais pas. J'avais une autre force. J'avais une autre capacité. C'est pourquoi je comprends pourquoi Dieu dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ne faisons, c'est pas Dieu qui fait les exploits. C'est nous qui faisons les exploits. Dieu, lui, il est à notre côté pour garantir que nous puissions faire les exploits. Il nous soutient pour que nous puissions arriver à faire les exploits. Je proclame et je déclare la saison des exploits à l'église Cité de l'Espérance. Je proclame et je déclare la saison des exploits dans l'église Cité de l'Espérance. Que chaque individu, que chaque bien-aimé soit visité par une saison d'exploits. Il a parlé du secret devant Saül. Devant Goliath, il fallait un autre élément. Parce que devant Saül, Saül allait le comprendre. Aïe, ma kambouanzam. Mais ce n'est pas bête, Goliath, ma kambouanzam, c'est un secret. Ok, non, il n'a pas été. À Goliath, Goliath n'ira nulle part avec ça. À Goliath, il a un autre élément. À Goliath, il choisit un autre clé. Avec Goliath, il lui dit ceci. À Goliath, il a dit ceci. La Bible dit que quand Goliath l'a vu, tant Goliath y a moni et bien minimisé. Il a moni et pamba choli. Moni bilogango. Bah tu ne l'as pas petit. On m'envoie ce petit garçon. Qu'est-ce qu'il va faire? Et puis petit a sa beau gars. Il est beau. Batakito ko babunda. Ah, batakito ko babunda raté. Goliath veut buter David dans une autre piège. Ah, ndota mutambo. Obi ba tu mususu ko na ba quartier. Il y a des gens dans les quartiers. Azane Moukie. Il est mince. Na Moukie na yo gani se kobete facilement. Toi, tu penses que tu vas le frapper facilement. O meki boue, o apesi o réglementaire. Ba toi bon, on est avec Nzota piège. C'est ça les gens qu'on appelle Nzota piège. David, c'est quoi la gueule Nzota piège? David avait ce... Parce qu'il était en alliance avec Dieu. Il dit, tu t'avances vers moi avec des lances, avec des javelots. Pour Goliath, t'as une affaire, hein? Il ne tenait même pas ses histoires, on tenait ça pour lui. Celui qui tenait ça, il était devant et lui suivait derrière. David a lobby. David a lobby. Si les gens ont peur, ceux qui parce que tu es pas trop grand, moi j'ai l'impression que tu es trop grand pour que ma pièce ne puisse te rater. Ma pierre va te toucher parce que tu es trop grand. Il lui dit ceci. Tu avances avec le javelot. Mais moi j'avance avec quelque chose. J'avance avec le nom de l'Éternel. Le deuxième élément que j'ai pris pour la victoire de David, c'est le nom de l'Éternel. Dans le nom de l'Éternel, il y a la réputation de l'Éternel. David savait que Dieu ne joue pas avec la réputation. Réputation. Ma réputation. David Aloba qui a mis Yébi.
Alors, il y a des gens qui ont une réputation. Les choses qui touchent à sa réputation. C'est comme ça que Moïse savait. Quand Dieu décide de tuer les enfants d'Israël, Moïse lui dit, papa, tata, Bakoloba, Kéyo, Obimisaki Bango, tu as fait sortir ces enfants. Pobo Mabango, Ozano n'a pas quitté. Tu n'as pas les possibilités. Yango Obi Bango n'a désert. C'est pourquoi tu les tires dans les déserts. Quand il a dit ça, peux-tu toucher? Tu as touché. Wanezama Kamboa réputation. Ça tient à ma réputation. Wanezama. Ça tient à ma réputation. C'est pourquoi David dit ceci dans le psaume 23. Le verset 3. Il dit, il restaure mon âme. Pas à cause de moi. Il m'amène près des eaux paisibles. Pas à cause de moi. Il le fait à cause de son nom. Il le fait à cause de sa réputation. Parce qu'à l'époque, en Israël, la réputation du berger dépendait de la santé des brebis. Quand on regarde une brebis, on sait dire si c'est un bon berger ou pas. C'est comme s'il y a des choses que Dieu fait dans nos vies qui ne dépendent pas de nous, mais qui dépendent seulement de sa réputation. Dieu se dit, je ne suis pas venu encourager quelqu'un dans le péché, mais je crois à la grâce. Dieu se dit, si je suis ce petit, non, risquez pas bon, mes pambas. À cause de ma... Comme il porte mon nom, en Zwango. Comme il porte mon nom, en Zwango. Il aura cela. À cause de ma réputation, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il y a des choses que Dieu va faire à cause de ça. Zamba bande la magamba. Il va recommencer des choses. La Bible dit sa renommée s'est accrue. À cause de l'accomplissement de ses promesses. Dieu tient. Ce que va lober la combo naïe. Il faut pas lober la combo naïe. Je dis à quelqu'un ce soir, la réputation de Dieu ne sera pas ternie. Dieu ne permettra pas dans cette église que son nom puisse être terni. Dieu ne permettra pas que dans cette église que son nom puisse être terni. Ça va de ma réputation. Je viens à cause de ma réputation. Et David savait, il dit au nom de l'Éternel. C'est à cause du nom de l'Éternel que je viens. Que je viens. C'est comme ça que Sarah a rigolé. Quand on lui a dit que tu auras un enfant. Ce qui se passe dans le corps de Sarah. Dieu lui a dit. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Yes. La version Lingala dit ceci. Est-ce que ça, la version Lingala dynamique dit, est-ce que ça n'est loco ou est le kinzambe n'a pas? Est-ce que ça n'est loco ou est le kinzambe n'a pas? Quelque chose qui dépasse l'Éternel. Dieu voulait dire, même si tu ne crois pas ça, même si, comme j'ai déjà parlé, à cause de ma réputation, je reviendrai pour réaliser. Comme j'ai déjà parlé, à cause de ma réputation. David prend juste une pierre. C'est là qu'on va clôturer. Jette sous le front de Goliath. Pasteur, ça me trouble. On l'a lancé une pierre sur le front. La Bible dit qu'il est tombé de face. Ce n'est pas possible. Si on te jette la pierre sur le front, tu dois tomber comme ça. Le rebelle. Tu ne peux pas tomber. Nous avons annoncé saison Sika. J'annonce une nouvelle saison. Je suis de ceux qui croient. Ce n'est pas la pierre de David qui a fait tomber Goliath. C'est Dieu qui a gogolé Goliath. A gogolé. A plus petit. A quitté Nassé petit. Petit quitté Nassé. Quitté Nassé. Quitté Nassé. Quitté Nassé. Goliath tombe.
Et j'ai aimé ce qu'a dit un prophète. David avait utilisé le nom de l'Éternel. Or, devant le nom de l'Éternel, tout genou fléchit. Or, devant le nom de l'Éternel, tout genou fléchit. Goliath n'avait pas de choix. Comme c'était au nom de l'Éternel, il devait fléchir. J'annonce à quelqu'un, aucune situation ne va se tenir. Aucune situation ne va rester debout. Aucune situation à cause du nom. Ce soir, nous avons un nom. Ce soir, nous avons un nom. Ce nom, c'est Jésus. Ce nom, c'est Jésus. Ce nom, c'est Jésus. Ce nom, c'est Jésus. Oh, j'ai épuisé mon temps. Est-ce qu'on peut juste élever le nom de Jésus? Ce soir, n'élève pas ton problème. Ce soir, élève le nom de Jésus. Ce soir, le seul nom qui va rester debout, c'est le nom de Jésus. Je ne connais pas ton problème. Tout ce que je sais, que ton nom s'appelle, que ton problème s'appelle Goliath. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les Goliaths qu'on glorifie. Aujourd'hui, nous sommes en train de glorifier le nom de Jésus. Nous sommes en train de glorifier le nom de Jésus. Nous sommes en train de glorifier le nom de Jésus. Ce soir, nous sommes réunis autour d'un seul nom. Ce soir, nous sommes réunis autour d'un seul nom. Un seul nom. Le nom de Jésus. Le nom devant lequel tout genou fléchit. Oh, est-ce qu'on peut nous aider avec ce chant? Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le tien. Alléluia. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Est-ce que quelqu'un peut frapper ses mains? Bat tes mains, invoque le nom de Jésus. Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Oh, chante le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le déclare-le sien. Déclare-le encore, déclare-le, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, plus grand Omega, que la maladie, plus grand que la sorcellerie, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus grand que le porte qu'elle confie. Plus grand que tous les noms, Alpha, Omega, Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Déclare-le sans instrument, déclare-le comme étant une prière. Déclare le nom de Jésus comme étant une prière. Chante-le. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le tien. Aucune situation de ta vie ne restera debout devant le nom de Jésus. Ce soir, les situations fléchissent devant le nom de Jésus. Peu importe le nom, peu importe le nombre d'années, mais les situations ce soir fléchissent devant le nom de Jésus. Père, merci. Merci pour cette soirée. Merci pour cette parole. Merci pour les choses que tu as données dans nos vies, Père. Et nous te rendons des actions de grâce. Père, nous voulons t'offrir. Nous voulons te donner nos offrandes, Seigneur. Nous prions que tu puisses le recevoir avec action de grâce, Père.
Merci Jésus. Que tout soit pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Restez debout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Alors nous restons debout, nous sommes à la fin. Le temps juste est de donner les offrandes. Nous voulons juste rappeler que demain, à partir de 16h juste, toutes les femmes, toutes les jeunes sœurs, à partir de 18 ans, vous êtes invitées à une réunion ciel ouvert pour toutes les femmes et jeunes filles ici, à partir de 16h juste. Donc, 16h juste, toutes les sœurs, vous devez vous retrouver ici pour un programme qui vous concerne. Amen. Alors, nous rappelons aussi que notre programme d'évangélisation commence déjà le samedi 13 mars. Nous nous retrouvons ici à 12h juste, jusqu'à 17h, nous allons faire l'évangélisation en cellier. Amen. Alors nous voulons attendre jusqu'à ce que nous allons finir le temps des offrandes, parce que ça fait partie du culte. Les protocoles, vous allez me faire signe si c'est fini. Ceux qui sont assis vont nous rejoindre debout parce que nous avons clôturé ces moments. Alors nous rappelons aussi que nous avons nos t-shirts Anatanda Bouger, Anatanda Bina, au prix de 10$ à la table de littérature. Amen. Alors nous devons tous savoir ça, c'est un moyen aussi pour contribuer à la jeunesse. Amen. Amen. Donc si ton pasteur a acheté, ça signifie que toi aussi, tu dois acheter. Donc tu peux même donner un acompte, on va écrire ton nom. Quand tu vas solder, on va te donner. Parce que toi, si on te donne, tu risques de ne plus venir au culte. Donc, donne la compte, nous on va garder pour toi. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Okay.